Bonsoir, bonjour, département côté Wapkouté Radio de Bouy 13 TV. Non, Pam, c'est David Sirai. Chaque l'heure, dans le moment ça, nous toujours présenté ou étude de la parole. Donc, nous voulons rester plus près parole là, livre ça, qui concernait créateur et qui permettent nous capables servir l'adorer d'une manière efficace, adorer d'une manière spéciale. Donc même gens notamment qu'on a besoin manger physiquement pour qu'un bel jam, donc conscience au cœur besoin et des choses spirituelles pour qu'un Belgium et dans un moment qui vraiment difficile. C'est n'dap dit que nous arrivons dans un temps, pour ne pas dire dernier temps, parce que ça n'attendait yo, ça n'approuvait yo pour qu'on rien devant ça nous gagne pour nous ouais tout autant n'ab vivre pour si là yo qui encore envie, tout autant capable utiliser parole là spirituellement pour nous, pour grandir spirituellement, les bons pour la vie spirituelle. Notamment, nous pas gagner la sœur Bernadette Maturin là côté lié, nous espérer que le béni et le pape qu'a béni nous dans cantique, nous espérer gagner nous rejoindre dans l'autre édition. Mais pour le moment, nous gagnons avec nous la sœur Marie Jenny Estimée. Et nous espérons, sœur Marie Jenny Estimée, pour elle faire lecture parole là pour nous. La sœur Marie Estimée, Jenny Estimée, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, pasteur. Moi, salue tout le monde qui a écouté, moi, de près et de loin, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La jeune lecture, non, ou à soya, c'est dans Deutéronome, chapitre 28, versets 15 à 26. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta ruche
seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la tête, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera guéri et la terre sous ton toit sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Amen. Merci, la sœur Marie Jenny Estimé. C'est un plaisir pour nous écouter lecture. Non? Dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, jusqu'au 28, nous bénis, nous espérons bien aimé qu'à écouter, nous pral diagnostiquer texture ensemble avec vous, nous espérons que nous passons un bon moment ensemble, un bon temps, et chaque bien aimé qu'à écouter, capable toujours abonner sur Facebook, sur YouTube, pour pas jamais rater un moment d'étude ça. Merci la sœur estimée, que le Seigneur vous bénisse.
Encore une fois, nous saluons toute assistance non, qui a coûté un peu partout à travers le monde que créateur Pamnan et créateur ciel yo avec terre capable bénir, capable continuer faire grâce dans la vie. Notamment nous lis dans Deutéronome chapitre 28. Et yon chapitre qui est vraiment intéressant. Côté nous pral discuter ensemble quelques passages dans chapitre ça qui dans chapitre 28 là et notamment nous pourrons regarder également qui ça et textio dit par rapport à la Bible. La Bible yon nan plus grand livre le monde entier est capable posséder, notamment nous relier le livre des livres. Et nous parler de la Bible, nous voyons un livre qui en français, n'est-ce pas? Notamment nous croyons que il est vrai que la Bible et qui en français ou bien en anglais ou bien en espagnol ou bien en quelle que soit la langue qu'elle traduit, son traduction, mais vrai original là, l'originalité qui ban nous la Bible, donc les pas en français. Donc, hébreu, juif, il y aurait le Torah, ou bien Tanakh, n'est-ce pas? Donc, il y a un livre, alors, que traducteur a la donne, et puis il traduit. Yo fait traduction ça yo pour nous pour capable permettre nous connait exactement qui ça t'a gagné dans Torah ou bien ça t'a gagné dans Tanakh là. Mais c'est un livre qui gagne pile discussion qui fait sous lui et jusqu'à présent gagne discussion qu'a fait sous livre là. Son livre qui portait à l'équivoque. Yon livre qui mandait pour présenter livre là. Et avec soin, prendre des précautions face à livre ça. Donc, notamment, ou capable de jouer une expression qui. En français et le wali dans Tanakh là ou bien wali dans Torah, donc c'est différent. Quand ça livre la présente tout en grec, on parti dans livre là, c'est présenté en grec, donc nous croyons que et la langue hébraïque et la langue grecque, c'est pas langue haïtienne. C'est pas langue américaine aussi. Donc, si vous pas yon israélite, yon juif ou bien yon hébreu, donc, la langue
hébraïque, c'est pas langue pau. Ça veut dire qu'on paquet de travail qui fait concernant des livres là, tout autour des livres là. Et nous comprenons qu'il y a un pile dans nous qui n'a pas une capacité pour nous gagner une connaissance dans la langue hébraïque là ou bien dans la langue grecque là. Donc, qui considérait seulement la Bible en français ou bien en créole. Mais faut dire, faut gagner en pile précaution que prédicateur ou bien enseignant qui a enseigné là besoin prend pour le capable présenter une partie d'un document et chaque le la présenter au lit donc les besoins pas seulement vienne parler mais prend le soin pour le faire recherche de quelques expressions pour le capable mettre contexte là mettre et ça l'a dit dans contexte. Voilà nos contextes devant Deutéronome chapitre 28 et le verset 15. Histoire révélée que Moïse était prophète, il y en a un prophète, peuple ça, le peuple d'Israël. Et créateur a une façon pour communiquer avec le peuple. Et façon pour communiquer avec le peuple, c'est toujours par un prophète. Et le prophète, c'était Moïse. Et dans le chapitre 28, nous avons gagné deux contextes en dans le même chapitre. Premier contexte, hein? Moïse présenté devant le peuple d'Israël pour communiquer exactement ça créateur dit pour du peuple. Alors, bien entendu, pour bien aimé cap coûter, nous croyons que créateur c'est esprit et notamment où Moïse te recevoir message créateur. Donc Moïse te besoin et transcender notamment en esprit aussi. Donc c'est un point clé pour capable à comprendre comment créateur transférer un message à un prophète. Donc pour prophète là recevoir message là, il n'est pas qu'à recevoir message là tant que chair et sang, la chair et le sang pas capable, pas capable saisir le message du Créateur. La chair et le sang pas capable saisir le message du créateur. Donc notamment donc formule quelle que soit la personne qui va être en contact avec le créateur, donc automatiquement il doit transcender en esprit en vérité. Et c'est raison ça que Messie a rapporté disciples.
Il fait déclaration ça pour le dire, mais comment pour disciple capable prier créateur, adorer. Français a dit Dieu est esprit. Il faut que tous les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Donc, l'adorateur doit être transcendé en esprit et en vérité. L'adorateur doit être transcendé en esprit et en vérité. Parce que le créateur est esprit. Donc la chair, le sang, pas de capacité pour rentrer en contact avec créateur. C'est là qui crée toute chose là. Donc, pour Moïse, te recevoir parole, ça, étant que prophète, il était transcendé en esprit et en vérité. Et pour te recevoir message là pour le peuple. Et également, peuple là qui a recevoir message là, peuple là doit transcender en esprit. Autrement, les pral recevoir un message selon la chair et le sang. Donc, les papes capables, message créateur, papka, et papka passer notamment, et joindre peuple. Donc, quelle que soit la personne, doit transcender en esprit en vérité. La Bible dit, Moïse dit, Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel Jéhovah Elohim, ton Dieu, ton Créateur, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Au prime abord, donc, peuple Israël te gen pour observer tous les commandements que Moïse te prescrit. Et la Bible, bien l'histoire révélait que l'Éternel, le Créateur, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, te gagnons condition pour l'Éternel te bail. L'Éternel te bail, peuple Israël, supériorité ça sur toutes les nations de la terre. Il faut souligner d'abord, l'Éternel te donnera ça, l'impossible pour tout le monde qui a écouté comprendre ça. L'Éternel te donnera la supériorité. M'a quitté verset premier là, nous, premier texte dit, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais dans le verset 15, il est dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Créateur,
si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et tous ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et dans le verset 20, textuellement, l'Éternel enverra. L'Éternel enverra. Enverra, c'est le verbe envoyer au futur simple. L'Éternel pralvoyer contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu sois périsse promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Dans le verset premier, l'Éternel te donnera la supériorité. Sa majorité dans nous capte ça très bien. L'Éternel bail. La supériorité bail. La bénédiction. L'Éternel te donnera sa grâce, sa faveur. Donc ça, peuple a capté très bien. Mais ça, il a toujours posé question, il n'a pas qu'à capter ça. L'Éternel enverra, le même Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Maintenant, parallèle là, c'est que l'Éternel bail bénédiction et même l'Éternel la bail malédiction. L'Éternel bail bénédiction, l'Éternel bail malédiction. Automatiquement, nous tendez l'Éternel bail bénédiction, le peuple. Peuple a content, les joyeux. L'Éternel bail la malédiction. Tout le monde tombé en défaillance parce que malédiction. Donc, c'est des épreuves que vous avez rencontrées. Donc, question, hein? Est-ce que l'Éternel a bail bénédiction en même temps il bail malédiction? Dans la Bible, il dit, mais ça le dit dans chapitre 28 là. Il bail bénédiction et l'Éternel bail malédiction. Et malédiction, tout le monde connaît, l'on parle de malédiction. Malédiction vient du malin. La malédiction vient du malin. Des fois, nous comprenons, nous voyons que la malédiction vient du malin, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Et nous avons tendance à dire deux forces. Nous avons tendance à dire deux forces, mais pas oublier dans le chapitre 28, le même texte, alors, le même chapitre, n'est-ce pas, dit l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. Le même chapitre dit l'Éternel enverra contre toi la malédiction. Donc,
pour aider nous clair sur ça. C'est pas deux forces qui gagnent. Pas grand force vient du malin et la bénédiction vient de l'Éternel, ou bien tout ça qui est bon, qui fait qu'on est content, vient de l'Éternel, et tout ça qui frappe vient du diable, c'est une autre force. C'est le même l'Éternel qui utilise et possède sa yo pour contrôler l'homme. Pas gain de force. Il y a qu'une seule force. Et tout autant l'homme refusé comme ça, il a toujours tombé dans l'idolâtrie. Tout autant l'homme croit gain de force, il a toujours cru, je m'excuse, très mal. Il n'y a qu'une seule force qui a le pouvoir pour non seulement bénir et maudire en même temps. Jamais il n'y a pas une tierce personne qu'on appelle diable ou bien Satan quelque part de l'autre côté qui porte la malédiction. Non, le même créateur qui est l'Éternel, il donne la bénédiction en même temps. Utiliser la malédiction pour corriger l'homme qu'il crée. Et ceci est tellement vrai, si l'on lit, pour être capable clair sur ça, dans le verset 21, l'Éternel attachera à toi la peste. Bête qui pour nuit, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 22, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, l'Éternel, d'inflammation, de chaleur brûlante, l'Éternel, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière au lieu de la pluie, mais il enverra de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel, ça veut dire, des fois, nous confus, nous avons tendance, nous, spécialement en pile dans dénomination, nous séparer l'Éternel. Nous disons c'est l'Éternel by bénédiction, tout ça qui fait rire, donc c'est l'Éternel, mais tout ça qui fait que pas content, c'est Satan et le diable, non? Si on obéit, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et si tu n'obéis pas, l'Éternel enverra. Donc il n'y a qu'une seule vraie force, qu'une seule vraie puissance. Il n'y a pas d'autre. Le créateur de toute éternité, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qui contrôle l'humanité tout entière. Des fois, expression en Bible, mais nous ne comprenons pas.
pour nous dire autre chose, tandis que dans le chapitre 28, prouvé clair, le même Éternel, il donne la bénédiction et le même Éternel peut envoyer la malédiction en même temps. Que le Seigneur bénisse chaque bien-aimé qui a écouté. N'espérez ou toujours branché sur Radio Debout 13 TV chaque vendredi à partir de 8h. Et pas oublier abonner. Pas oublier abonner sur Facebook, sur YouTube. Et comme ça, vous êtes capable de joindre toute vidéo. Pas oublier. La plus grande force n'est autre que le Créateur de toute éternité. Que le Seigneur soit témoigné, loué à travers nos cœurs et nos pensées. Merci, à la prochaine. Que le Seigneur bénisse vous, que le Seigneur garde vous, aide vous à comprendre au gayon seul être qu'on doit adorer, prosterner devant que Créateur noir. Bye bye tout le monde, c'était Frère David Siraï. À la prochaine.